maintenant on va sortir de l'arcade des années 80-90 pour arriver à l'arcade de l'ère Xbox 360 et PS3 avec cette compilation de Capcom de 8 hits de l'arcade, du coup remis au goût du jour. Et en fait, dans cette compilation, il n'y a pas exactement 8 hits, mais il y en a un 9e qui est caché au sein d'un jeu, du coup que je vous laisserai le découvrir si jamais vous vous plongez dans cette saga. Voilà. Et donc là, le jeu que je vais vous présenter sur cette compilation, c'est 1942, Joint Strike. Donc attention, Joint Strike, c'est-à-dire qu'en fait c'est un remake du jeu original 1942 qui lui était sorti en 1984. Et du coup là, le Joint Strike, il est sorti en 2008 et lui il est extrêmement cool, du coup shoot'em up en scrolling vertical. Franchement, celui-là, je l'adore. J'ai vraiment trop kiffé le faire sur cette compilation de Capcom. Et je vous le recommande énormément. De toute façon, il fait partie d'une série de shoot'em up, les 1942. Puis après, il y a eu 43, 44, etc. Ils sont vraiment super cool. Et tout ce temps qu'ils sont, je vous les conseille si jamais vous avez une borne d'arcade ou quoi pour y jouer. Et tout, ou s'ils sont sur vos consoles rétro, c'est franchement des jeux à faire si vous aimez les shoot'em up. Moi en tout cas, je suis assez fan. Ensuite, le jeu Rocketman Axis of Evil, lui sorti en 2007. Du coup, ça va être un dual stick shooter où du coup vous allez vous retrouver dans une base spatiale avec plein de robots qui vont vouloir vous tuer. Et du coup le but c'est vous déplacer votre personnage. Du coup vous êtes en vue aérienne et vous tirez tout autour de vous pour tuer les robots. Et du coup vous ramassez plusieurs bonus par terre pour améliorer votre équipement. Donc vous avez des meilleures armes et tout. Et puis aussi à la fin de chaque mission, vous cumulez des points de ressources. Et avec ces ressources, du coup, vous pouvez améliorer votre personnage. Donc il y a une petite dimension RPG là-dedans. Vous augmentez votre résistance, votre puissance de frappe, tout ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant dans le fond. Mais personnellement, je trouve plutôt répétitif ce jeu. Je me suis assez ennuyé en fait sur le long terme, malheureusement. Et puis j'ai un peu de mal aussi avec l'aspect graphique. Ça fait très bande dessinée, mais je trouve que c'est pas hyper beau graphiquement. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Moi, je l'ai pas super kiffé ce jeu. Mais voilà, après je vous invite à vous faire votre propre avis du coup en le testant. Voilà. Et pour contrebalancer avec ce jeu là, il y a le Wolf of the Battlefield Commando 3 sorti en 2008. Alors lui par contre il est excellent. Tout comme le Rocketman, il est en vue aérienne. Du coup c'est un dual stick shooter, mais extrêmement beau graphiquement et du coup vous avez des environnements beaucoup plus variés, je trouve. Il y a pas mal d'action et tout, et c'est vraiment super cool. Et en plus vous pouvez le faire en coop, ce jeu là c'est vraiment trop cool. Alors moi du coup je vous le conseille et tout, il est vraiment top de chez top. En plus vous avez des super attaques avec les personnages que vous choisissez, parce que vous avez plusieurs personnages différents et ils ont tous des attaques spéciales et franchement c'est énorme. Il est trop cool celui-là, je vous le recommande mais à fond quoi, foncez. Du coup faites-le en coop aussi, il est super cool à faire en coop ce jeu-là. Moi en tout cas je l'ai adoré, c'est de loin un de mes préférés de cette compilation Capcom avec le 1942.
らぐ暇などありはしない。